Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver en cette soirée très 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 chaude et très très ensoleillée. Un peu trop à mon goût, mais bon, demain ça remet ça avec 7 degrés en plus, ça va être chaud, hein, terriblement chaud. Bon, j'espère que tous ceux qui sont en vacances profitent de la mer, du beau soleil, du sable et tout ce qui va avec. J'embrasse tout le monde, bonsoir, bonsoir. Un petit peu de partout dans la France, c'est génial et merci pour vos commentaires. Et si vous voulez partager mes vidéos, il n'y a aucun souci, on ne peut pas laisser les copines et la famille, etc. dans le besoin sans savoir qu'on peut relooker sans décaper. Et oui, on peut relooker sans décaper, ça c'est extraordinaire. Puisque je vends la peinture, les démos que je vous fais, c'est avec ces peintures qui sont fabriquées à Vannes et qui sont respectueuses de l'environnement et qui permettent effectivement de relooker sans vous agacer à poncer. On nettoie son support, ça, c'est indéniable. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, vous allez voir. Donc je donne également des cours de patine à l'atelier, patine et compagnie, voilà, sur tissu, les pochoirs, tous les effets décoratifs. Vous venez avec un meuble, comme ça, hein, un petit objet, mais je ne peux pas lire. C'est Julien qui est aux commandes. Qui essaye de me dire quelque chose. Et comme c'est qu'un bon, c'est me dire bonsoir à tout le monde. Il y a plein de gens qui arrivent sur ça. Alors normalement, je porte des lunettes pour voir un petit peu ce qui se passe. Et là, je vois bien que l'écran il est là. Mais j'arrive pas à lire les petites écritures, c'est terrible. Et ouais, j'ai vieilli, j'ai passé la cinquantaine. Alors, donc, je donne également des cours de patine. Et puis, on apprend à manipuler tout ça. Donc, je disais un petit meuble. Voilà, c'est quelque chose comme ça, sur tissu, vous apportez un bougeoir, une boîte, un coffre, enfin bon voilà, on fait plein de petites choses avec plein de pochoirs. Et puis, ce que je fais également, c'est que je vends, voilà, la peinture et je relook vos meubles, vos cuisines, les escaliers, voilà, tout un tas de choses. Donc, je vais vous le dire maintenant parce que j'y pense, mais je vais essayer d'y penser en fin de live, surtout les commandes. Je voudrais que ce soit clôturé ce soir. Éventuellement, la clôture se termine demain après-midi. Voilà, le 31. Non, demain à midi, tout doit être validé et payé. Bon, ah oui, au fait, en parlant de payer, comment ça se passe? Du coup, quand c'est possible, je passe la commande, voilà, et je vous envoie un lien de paiement sur votre Messenger, sur votre messagerie. Et vous avez juste à cliquer dessus et en fait, voilà, vous payez comme vous vous achetez sur Internet, en live, par carte bleue. Et ensuite, ça met une validation et c'est parti. Voilà. Bon, allez, on va parler création, on va parler cuisine, puisque eh ben, on va faire comme si j'étais chez vous et on avait décidé de faire une couleur, je l'ai là. Alors, une couleur loft, voilà, comme ceci. Hein, c'est un gris, mais qui a un petit côté un petit peu bleuté. Voilà, très lumineux. On va faire un craie. Et puis, par-dessus, j'aimerais faire une patine. Alors, je ne sais pas encore. C'est pour ça que j'ai mis sur ma publication noir, carbone, anthracite. On va voir, en fait. Hein, après, les grosses lignes, elles sont là. Après, ce qui va se faire et se peaufiner... on n'est pas loin, voilà, mais j'aimerais avoir ce genre de choses. Alors, donc ça c'est la couleur, mais avant la couleur, ce qui est déjà pas mal, parce que quand on se voit, quand on sait un rendez-vous, effectivement, je suis avec mon nuancier couleur, et puis on choisit les couleurs. Comme je vous ai expliqué, en fait, je pars sur ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez envie d'enlever, et puis ça se rétrécit, le chemin se rétrécit, et puis on arrive, voilà, avec vos couleurs, ce que vous avez déjà, vos envies. Regardez aussi, quand vous regardez les catalogues déco, j'espère que vous déchirez les pages, ou, puisque c'est les vôtres, mais sinon vous les prenez en photo, comme ça au moins vous avez, vous faites un petit book, et vous vous dites ça j'ai envie. Et c'est pas parce que c'est dans les magazines ou dans les magasins qu'on peut pas le refaire, au contraire, on peut tout refaire. Alors, on va partir, c'est ce que je vous montrais hier, sur cette petite porte de cuisine. Voilà cette petite porte de cuisine. Bon, il faut que je fasse sauter ça, ce sera plus pratique. Julien est aux commandes, hein, donc si vous lui posez une question,
il va se faire un plaisir de me la dire. Donc, cette petite porte sur laquelle je pouvais un peu écrire dessus, hein, notamment, alors j'ai pas fait ce bandeau-là et ce bandeau-là exprès, le reste est lavé. Donc on le sent bien, c'est hyper lisse. Et effectivement, j'ai lavé à l'héliocline. Ça met une petite trace blanche, mais ce n'est pas grave. Alors l'héliocline, qu'est-ce que c'est? C'est également un produit qui est respectueux de l'environnement et qui, pour un bidon de 1 litre, moi j'arrive à faire 2 cuisines. Voilà. En gros, ce que font mes pots, enfin mes bidons plutôt, et le tarif est de 34 euros. Mais c'est vraiment, vraiment un bel investissement. C'est surtout l'indispensable. Bon, on a plein d'indispensables, hein. Il y a quelques indispensables. Celui-ci en est un. Avec la sous-couche d'accroche, celui-ci en est un. C'est impératif, en fait. Alors, une cuisine, on ne se pose même pas la question, est-ce que je vais laver, est-ce que je vais nettoyer? Oui, il faut dégraisser, il faut décirer, si ça a été ciré, mais il faut dégraisser et désencrasser. Voilà, ça c'est une obligation. Même si votre cuisine est toujours impeccable sur le bois ou tout autre support d'ailleurs, le gras se dépose. Forcément, je veux dire, quand on cuisine, la hotte, elle n'aspire pas toutes les graisses. Et puis ça s'encrasse au fur et à mesure. Enfin, il y a un petit dépôt qui se fait. Donc ça, c'est impératif. Impératif, impératif. Et puis, donc comment on fait? Alors, comment on fait? C'est extrêmement simple, comme tout ce que je vous montre d'ailleurs. Alors, soit vous en mettez dans un petit pot, soit effectivement, voilà, j'en mets un petit peu. Bon, je l'ai déjà fait, mais il y a un petit bandeau que je n'ai pas fait. Et puis, bon, alors c'est du liquide, hein, évidemment, c'est extrêmement liquide. Lequel je n'ai pas fait, c'est celui-là. Voilà, vous le déposez au pinceau. Moi, je peux aussi le déposer à l'éponge. Ça, c'est vous qui le sentez. Hein. Ça, c'est vous qui sentez la façon dont vous avez envie de tenir votre matériel et de l'étaler. Donc, voilà. C'est tout. En le passant, je vois que j'ai... Alors, soit on a de la cire, soit on a un vernis hyper nickel et on décrasse. Soit on a de la cire et là, on dessire. Ça, c'est... Mais c'est impératif. Sur une cire, il n'y a jamais rien qui tiendra. Jamais, jamais, jamais. On fait l'effet chabi avec une cire. C'est-à-dire que vous mettez une couleur, vous mettez de la cire, de la paraffine que vous avez sous différentes formes. Mais celle que j'utilise, c'est les petites bougies, vous savez, les petits chauffe-plats. Ou alors les grands cierges pour faire des grandes tables. Donc vous déposez de la cire et par-dessus, vous remettez une couleur. On laisse sécher le tout. Et puis, quand le dessus est bien sec, vous prenez un petit papier à poncer et partout où vous aurez déposé de la cire, la peinture du dessus, elle va partir. Mais oui, parce qu'il n'y a rien qui tient sur la cire. Je répète toujours cette même anecdote, mais vraiment, mais bon, voilà, une cliente qui avait peint sa table basse, et puis elle a mis la pâtie. Marron, voilà, tout va bien. Et finalement, elle a trouvé ça super joli avec son époux en disant, bah, écoute, c'est génial, finalement, je m'arrête là, j'ai mis ma patine, je vais vitrifier. Donc, elle a attendu que ça sèche et elle a vitrifié. Mais certes, ça devait être très joli, mais le problème, c'est que dans la patine, il y a de la cire. C'est prêt à l'emploi, c'est translucide, il y a de la cire. Donc, quand elle a mis son vitrif, ah ben, au toucher, c'était sec, il n'y a pas de souci. Mais quand son petit fils est venu et qu'il a fait de la petite voiture, hein, comme ça, ben, le circuit a été dessiné sur la table, en fait. Voilà. Et là, c'était au secours, Christelle. Donc, oui, c'était beau, mais la cire, on l'enlève. On l'enlève, et quand on met de la patine, la cire, on la lustre. Et quand on la lustre, c'est cette petite paille de fer, là, on vient enlever, en fait, tout le gras. Voilà. Donc, cire égale... impératif, on enlève. Voilà. J'ai pas demandé si vous m'entendiez bien, mais tout va bien? Oui, je pense. Bon, ok. Alors là, j'ai mis mon produit, du coup, il va agir. Allez, 5, 6, 8 minutes. Et puis, avec, pour vous montrer, hein, avec mon ongle, là, vous verrez peut-être pas, je fais des dessins. Voilà. En fait, hop là! Avec mon ongle là, je vais arriver à faire des dessins. Et j'ai sous mon ongle ben, du gras, du vitrif,
Parfois, il y a des vitrifs sur les meubles, j'ai vu aussi, pour pas que vous ayez peur. Vous avez vu, ça blanchit un peu. C'est une espèce de pâte, en fait. Ou alors, je ne sais pas ce que c'était comme vitrificateur. Voilà, ça peut faire blanc un peu collant. Voilà. Et du coup, ça, enfin, c'est embêtant. Ça s'enlève, mais l'héliocline, on le fait en une fois. Il peut s'avérer que si vraiment c'est ciré ou il y a cette espèce de truc qui est collant, ça m'est arrivé, eh bien, on le fasse en deux fois. Bon, c'est comme ça, hein. Le principal, de toute façon, c'est pas la peine de commencer un boulot à la base si ce n'est pas nettoyé. Alors, c'est pas, on décape pas, hein. C'est vraiment, je prends ma petite brosse bronze. Si c'est verni, juste un coup d'éponge, ça suffit, on rince. Et puis là, ben là, je vais venir. Voilà, je vais venir un petit peu frotter. Voilà, je laisse cette espèce d'espèce de truc blanc là. C'est vraiment très particulier et en plus ça colle. Voilà. Donc voilà ce que j'ai un petit peu enlevé. Hein. S'il faut que je fasse deux passages, je ferai deux passages. Surtout, surtout, ne négligez pas les tours de bouton. Pourquoi? Ben parce qu'on a du sébum, on a du gras. Et quand on ouvre une porte, on en dépose souvent là. D'ailleurs, sur ce bandeau, hein, ce que je préconise également et que je fais, c'est que sur tous les autres, je passe du vitrificateur en trois couches, normalement, puisque c'est une cuisine. Ce bandeau-là, j'en mets quatre. Voilà. Donc, on ne néglige pas le nettoyage ni le rinçage. Voilà, ça, c'est important. Bon, il y a aussi le meuble qui est resté, enfin, qui a été au soleil. Il y a aussi le meuble qui est dans le garage depuis belle lurette, qu'on n'a pas su quoi faire. Finalement, on l'a vendu ou on a envie de le relooker. Et du coup, parfois, il n'est pas forcément encrassé, mais il est tout sec. Voilà. Et quand vous faites, alors griffes de chat, hein, j'appelle ça, quand vous faites vos griffes de chat, vous sentez que le vernis, il peut s'écailler en fait. Écoutez, pareil, hein, vous nettoyez, tout ce qui doit partir va partir. Voilà, vous passez votre petite brosse bronze, et puis tout ce qui doit partir va partir. Également, et là j'en ai peut-être pas sous la main, n'oubliez pas, quand vous faites une cuisine ou un meuble, vous savez qui est très encrassé, ces petites choses, ces petits endroits-là. Voilà, ça vous n'oubliez pas, vous prenez une petite pointe de couteau, une petite pointe de tournevis, vous mettez un chiffon et vous allez sur ces petites choses-là. Alors vous allez me dire, ah oui, alors on décape pas, finalement, ça dit que ça doit être facile et finalement c'est long. Bah, ouais, enfin, ne partez pas avec un support qui n'est pas nettoyé, ça ne sert à rien. On n'est pas avec la ponceuse en train de décaper non plus, hein. On a juste une petite bassine. J'aime bien quand l'eau est un peu tiède. Et pour rincer, voilà, et on nettoie et on rince. Tout simplement, hein, je dis encore tout simplement, mais voilà, non, c'est un gage de bonne tenue après de votre travail. Et je peux vous dire que quand votre cuisine elle est faite, bah, vous êtes très content. Voilà. Bon, puis ça change. Donc lui, bah, je vais le laisser sécher, hein, il est propre. Voilà, allez hop. On le retrouve demain. Et puis, j'ai donc mon tiroir. Alors, est-ce que vous allez le voir? C'est pas forcément très très flagrant parce qu'il y a la lumière. Mais là, j'ai nettoyé. Et là, ce n'est pas nettoyé. Alors, déjà, au toucher, moi, je le sens. Mais vous voyez, ça a un petit peu enlevé du vitrificateur. C'est pas grave. C'est lisse au toucher. Tout va bien. Et là, effectivement, je sens que le vernis, il a un petit peu écaillé, que ça fait des petites bosses et des creux. Donc ça, c'est impératif. On enlève. Voilà, on nettoie. Il y a des questions? Pas de questions. Alors, donc ça, c'est le tiroir, c'est la porte. Je vais juste attendre un petit peu que ça sèche et puis on va passer les léoprans ensemble. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que j'ai pris un petit carré de médium. Voilà, j'ai trouvé ça dans mon garage. Un petit carré de médium, je vais prendre le côté qui est le moins abîmé possible. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dessous de plat. Alors, on est dans le grand dessous de plat. Oui, on est dans le grand dessous de plat. Voilà, vous savez, j'avais fait la porte hier, je vous ai montré comme ceci. Donc, ben, finalement, je prends le même décor. Et puis, ben, c'est ça, hein, c'est du médium, hein, tout simplement.
je lui mets, ah ben tiens, c'est parti. Je lui ai mis des petits ronds comme ça, et puis ben, je pose ça au milieu de la table, et puis je pose mes plats dessus. Voilà. Alors évidemment, c'est pas le four, le plat à 200 degrés qui est sorti du four que je pose tout de suite. Hein. Mais voilà, j'y pose des plats, des casseroles, des choses comme ça, et pour le moment, tout va bien. Donc voilà, bah, écoutez, donc on va faire le décor de la même couleur que la porte et le tiroir. J'ai oublié la faïence, mais ça, on va, je vous la prépare pour demain, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? En général, on a un côté sur les médiums qui est un petit peu plus, je dirais peut-être foncé, travaillé, un produit, je ne sais quoi. Mais donc là, du coup, j'ai envie de passer un petit coup d'Eléo Pro. Pourquoi? Parce que d'abord, bon, écoutez, ça va saturer mon support. Et puis, quoi qu'il n'a pas forcément besoin parce que c'est du médium. Et puis, comme j'ai envie encore d'arracher un petit peu le bleu, enfin le bleu, le loft, le gris bleu, et pour aller voir un petit peu le blanc qu'il y a en dessous. Donc, je vais en profiter pour mettre une sous-couche d'accroche. Voilà. Alors là, je range. Donc, les Léocline, hein, n'hésitez pas, ça c'est une merveille de produit et c'est surtout nécessaire. Et en plus, les Léocline, ce qui est bien, c'est de l'avoir. Parce que quand vous vous dites, parce que si vous faites votre Léocline demain, vous pouvez très bien revenir le peindre dans 3 mois, 2 mois, 6 jours, peu importe. Une fois que les Léocline, une fois que les Léopro, une fois que les Léocline, vous avez nettoyé votre objet à les Léocline, que vous avez mis votre Eléo Pro, au moins c'est fait, et quand vous avez envie de peindre, vous prenez tout de suite. Donc, vaut mieux l'avoir sous le coude. Alors, je prends mon Eléo Pro. Alors, ça, c'est notre deuxième ou notre premier produit phare. Bon, je dirais, de toute façon, ils sont complémentaires. Donc, voilà. Ça, c'est une sous-couche qui tient sur tous les supports. C'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà. Alors, ben, tout simplement, hein, voilà. Vous voyez, ça boit quand même pas mal, ça s'arrête direct. Donc, voilà. Ça, c'est un super produit. Pas d'odeur. Alors, pas d'odeur. Ce serait exagéré. Là, je le sens pas parce que c'est une petite quantité. Oui, quand je fais une cuisine et qu'on est dans des quantités quand même, une surface un peu plus importante, ça peut avoir une petite odeur. Mais ça, voilà, c'est pas nocif. Et puis en plus, quand vous sortez, enfin, c'est parce que quand vous sortez de la pièce et que vous revenez, vous sentez qu'il y a une odeur. Mais je peux vous dire que moi, j'ai des allergies et que, voilà, ça c'est vrai qu'elle ne sent pas, pas dire qu'elle n'a pas d'odeur, mais vraiment, c'est... inodore quand même. Donc vous voyez, je lui demande pas d'être toute blanche, mais on a un petit coup de rouleau, ça se fait. Hop, demain on pose la couleur loft. On avance pendant que ma porte est sèche, ou elle est sèche. Alors en plus, en ce moment, ça sèche super vite. Vous vous rendez compte, elle est déjà sèche. Allez, on la peint, on y va. Je n'ai pas arrivé à enlever ce petit truc là. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais essayer de la tenir pour que vous la voyez. Donc, comment je procède? Déjà, je commence. Quand je peins, je suis comme ça. Ah bah si. Voilà, je vais prendre mon pot. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en général, je fais l'intérieur. Alors, les rebords. Voilà comment je procède. Je fais mes rebords intérieurs. Voilà. Pas de surplus, hein. C'est pas la peine de mettre une quantité astronomique. Là, on est vraiment... je demande pas que ce soit tout blanc, tout neuf, tout beau. Je veux juste que ça ait ce pouvoir vraiment d'accroche. Je fais mon milieu et tout de suite, paf, je lisse, voilà, que ce soit sur les bords. Je lisse pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un petit surplus, c'est pas beau, ça sert à rien.
vous allez être embêtés. Quand bien même vous en trouvez un, je vous donnerai l'astuce pour quand on va arriver à la couleur, pour l'enlever, mais je ne le fais pas sauter à l'ongle. Alors comme il fait chaud, allez, en 10 minutes c'est sec, hein. Donc c'est pas qu'il faut faire vite, mais on ne va pas répondre au téléphone ou faire la soupe entre deux. Hein. On termine sa porte. Voilà, ensuite qu'est-ce que je fais? Je fais mon contour. Voilà, que je vais venir lisser, mais déjà je veux en mettre partout. Je fais mon contour. Alors le principe du jeu, c'est de ne pas en mettre partout. Ce qu'il ne faut pas faire, vous voyez, c'est des choses comme ceci. Clac, clac, clac. Non. Je fais mon rebord comme ça, je fais mon rebord comme ça, et après je fais le milieu. Voilà. Et puis, hop, je viens en mettre comme ceci. Même de la matière quand même, hein. Et je viens, comme d'habitude, je viens lisser. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, et je fais bandeau par bandeau dans le sens du veinage du bois. Bon, rien de compliqué, hein. Rien de compliqué du tout, du tout. Je pose, je lisse, je pose, je lisse. Je fais attention qu'il n'y ait pas de surplus quand je viens comme ça, donc je fais vraiment tout mon rebord. Pareil, hop. Alors vous allez me dire, pour une cuisine, ayons, ça va super vite finalement. Oui, alors on compte. Allez, on compte une journée de lavage, de nettoyage. Ensuite, on pose la sous-couche. On laisse sécher une nuit. Et puis le lendemain, on peut poser la couleur à 6 heures d'intervalle. Donc si vous vous en sentez la force, et ben vous faites une couche le matin. Et puis 6 heures après, vous faites une couche l'après-midi. Voilà. Et ça va sécher toute la nuit. Je suis désolée, je vous tourne le dos. Et puis ensuite, vous passez le vitrificateur. Si vous n'avez pas envie de faire d'effet, parce que ça, c'est pas non plus... c'est pas une nécessité, c'est pas primordial. C'est suivant ce que vous avez envie de donner comme effet. Et bien voilà, ma porte, elle est faite. Bon, donc, comme je ne veux pas laisser sécher mes pinceaux, j'ai normalement un petit... Ah ben non, je ne sais pas. Si. Allez, je prends mon petit plastique ou le papier d'alu, mais je prends mon petit plastique et je viens enfermer hermétiquement mes pinceaux. Comme ça, je les retrouve tout à l'heure quand je vais devoir faire mon... Hop, mon tiroir. Oui, Julien? Non, mais tout se passait bien. Bon, c'est bien. Bon, ben voilà. Ah oui, j'avais ça aussi, ce petit bouton. Vous savez, en laiton. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ma petite laine d'acier et puis je l'ai un petit peu fait briller. Bon, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être qu'il va se retrouver en noir ou en carbone ou je sais pas trop. Voilà. En tous les cas, je l'ai illustré. C'est quelque chose qui est assez jaune et qui ne va pas aller dans mon décor. Donc, ce que je vais faire... Eh ben, j'espère que ça ne vous a pas rendu sourd. Moi, si. Ce que je vais faire, je vais prendre la petite vis et puis je vais venir... Allez, de toute façon, le brillant, ça ne va pas aller. Donc, c'est pareil, comme on a dit que ça tenait sur tous les supports et que c'est du métal, eh bien, écoutez, hop. Donc, ne pas s'en mettre sur les doigts. Normalement, j'ai ma petite vis que je mets dans du polystyrène et que je tiens debout pour faire mes petits boutons. Mais ça, c'est normalement. C'est les aléas du direct. Non, mais quand je vous dis que mon atelier, là, il va être... urgent, urgent que je le fasse. Donc voilà, là j'en ai autant sur les doigts que sur le bouton, mais vous voyez, j'y ai passé une sous-couche. Donc ça, hop, ça va passer en couleur demain. Bon, alors j'en vais encore une petite chose à vous montrer. C'est que j'ai attaqué, on en a parlé hier, mon cadre.
Vous savez, alors mon vilain cadre, je ne peux pas dire vilain parce qu'à un moment donné, s'il a été fait, c'est quelqu'un qui a eu envie de l'acheter. Moi, je l'ai eu en brocante. Donc voilà, c'est pas qu'il est vilain, c'est que je ne vais pas m'en servir comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, comme on est sur un bois hyper brut, vraiment très brut, bien écoutez, je vais prendre mon écru directement, donc mon petit pot d'écru. C'est pareil, avec un pot d'écru, des cadres, vous pourriez en faire, je sais pas, une cinquantaine, quoi, parce que tellement vous en avez, vous ne prenez presque rien, donc voilà. Hop. Donc, comme il y a plein de reliefs, qu'il y a des aspérités, que je prends mon pinceau et là, je viens, il faut que je rentre partout. Voilà. Donc, je tapote pour rentrer vraiment dans tous les trous en fait. Voilà ce que ça donne quand il y a des choses comme ça. Hein, faut vraiment rentrer partout, partout. Au moins, je n'oublie rien. Alors, on se dit des fois, c'est quand on voit que. On a l'impression qu'on a mis partout, mais c'est quand on voit que ça sèche que finalement on voit qu'il y a des petits manques. C'est pas grave, la deuxième couche est faite pour ça. Donc voilà. Hein, vous voyez, ça va aller rapide quand même. Et puis après, j'enduis. Donc on n'utilise vraiment pas beaucoup de peinture puisque la deuxième couche est là pour combler ce qui n'a pas été comblé. Voilà. Bon, mais écoutez, hein, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Demain, on va le patiner. Alors, donc c'est de l'écru. L'écru, c'est un. Bon, ça part d'une base blanche, hein, et fin de voilà. Et puis c'est un, je pense qu'il y a un petit peu de d'ivoire, un petit peu de gris, un petit peu de choses comme ça. Oui, Julien. Quand tu tapotes avec le Oui. micro, ça fait. Oh, pardon, ça vous fait un bruit d'enfer. Désolé. Mais décidément, ce soir, on va tous être sourds. Voilà. Bon, bien écoutez, hein. On verra demain quand ça va sécher, mais vous avez vu, c'est rapide. Et puis, je pense que ça va faire son effet. Voilà. Bon, alors, je vais vous abandonner pour ce soir. Je vais vous dire à demain. Vous avez vu le thème, hein, donc on est dans le loft, dans le blanc et dans l'anthracite, le carbone ou le noir, je ne sais pas encore. Et puis, ce que je vous ai dit, on va partir sur le thème. Oh là là, j'en ai partout. Sur le thème carreau de ciment. Alors, je vais vous les mettre sur Internet. Ça, c'est les grands. Hein. Ça, c'est les grands. En fait, quand vous les prenez en individuel, vous avez cette grande taille-là et puis le moyen. Voilà. Ce qui, normalement, va sur les carreaux. C'est fait exprès pour la faïence. Donc, c'est aux dimensions de vos faïences. Donc, voilà. Et on va partir là-dessus. Je vais en prendre un plus petit. Je ne sais pas lequel, en fait. Voilà, je ne sais pas lequel, mais on va faire un super truc sympa. Vous me faites confiance? Oui. Allez. Bon, je vous réitère le fait que les commandes, c'est demain à midi, il faut que tout soit envoyé, réglé. Et puis, donc ce soir, vous allez recevoir vos liens de paiement pour celles et ceux qui ont fait la commande. Et puis surtout, hein, je ne vais pas vous casser les pieds avec ça, mais j'insiste sur le fait que vous puissiez avoir ce produit sous le coude. Et puis comme ça, vous nettoyez quand vous avez envie de nettoyer. Et comme ça, c'est du prêt à peindre. Et puis surtout, bon, on évite un peu les dangers de quoi finalement? Ben, les dangers de mettre votre Eléopro et puis que le matin, griffe de chat, et, ça n'a pas tenu. Ben oui, parce qu'il y avait du gras en dessous, il y avait de la crasse. Et puis, mince, j'ai une tache. Voilà. Qui est resté. Donc voilà, c'est pour toutes ces petites choses-là. Et puis, il faut savoir quand même que si vous le mettez, vous le diluez à 50%, ben c'est intéressant, vous faites vos joints de carrelage, de faïence, de choses comme ça. Voilà, c'est. Faites pas les dessus de meubles, hein, en vitrificateur. Non, non, non. Parce que ça agit quand même. Donc voilà, c'est pour des petits nettoyages que vous n'avez pas l'habitude, enfin, qui sont un petit peu encrassés.
Bon, mais je vais vous quitter, je vais vous laisser passer une très bonne soirée. Et puis, on se retrouve demain, et demain, on parle couleur. Voilà. Là, on a parlé préparation, préparation de support. Certainement que j'ai encore oublié des choses, mais voilà la préparation du support qui est très importante. Je vous embrasse, et puis n'hésitez pas si vous avez vos questions et les commandes. Je gère ce soir. De quoi? Bonne soirée à tout le monde. Eh ben oui, ben bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.